Salut les Toucouvoirs et bienvenue pour le rattrapage des épisodes de Ryu Soldier 23 et 24. Donc, l'épisode 23, qui s'intitule La Ryu Soul Illusoire, on apprend donc que Ko peut entendre la voix des Ryu Soul. Ce qui veut dire que les Ryu Soul sont vivantes, et effectivement, la vie des Ryu Soul peut s'user, comme on le voit au début de cet épisode. La Tsuyo Soul de Ko redevient une Blank Soul, donc son pouvoir est épuisé, sa vie est épuisée. Et par conséquent, il va falloir une nouvelle Tsuyo Soul à Ko. Et pour ça, il y a deux façons de faire. Donc, soit on va s'emmerder à les déterrer dans la forêt, soit on les échange. Personnellement, s'il suffit d'aller déterrer des Ryu Soul dans la forêt, ça ferait un sacré paquet de temps que j'aurais retourné la forêt, moi. Bah oui. Il y a une menace. Il faut des Ryu Soul pour se défendre. Donc, tu retournes la forêt une bonne fois pour toutes. T'as toutes les Ryu Soul que tu veux, pourquoi tu vas t'emmerder à aller chercher une par une? Mais bon, ce n'est que mon avis personnel. Et donc nos héros vont opter pour la deuxième solution, c'est-à-dire l'échange, qui est apparemment une tradition dans la tribu Ryu Soul, hein. On peut s'échanger les Ryu Soul comme ça, à la carte Pokémon, hein. D'accord, ok. Et donc tout le monde se ramène chez lui pour une petite session échange. Et donc là, pendant un gros tiers d'épisode, je dirais, c'est un épisode résumé, en fait, voilà. Donc ils ont essayé de faire un épisode résumé avec un petit peu d'histoire dedans, on va y revenir. Mais voilà, grosso merdo, l'épisode c'est un gros résumé de tout ce qu'on a déjà vu, donc c'est pour ça que ça va aller relativement vite. Pendant l'échange, Bamba s'intéresse à la Mera Mera Soul de Ko, parce qu'apparemment cette soul elle est unique, hein, vu que Ko est la seule personne à s'être liée à Dime Volcano, donc il n'existe qu'une seule Mera Mera Soul. Donc, Bamba la veut, mais Tiramigo fait une petite apparition en Scred, il dit que non c'est pas possible, parce qu'il faut être minimum lié à la Ryu Soul pour pouvoir l'utiliser. Donc étant donné que Dime Volcano est lié à Ko, Dime Volcano a accepté Ko, donc forcément il n'y a que lui qui peut l'utiliser. Ce qui pose certaines questions plus tard, quand Kanalo utilise la Cosmos Soul, voilà, l'un qui est lié à l'autre, est-ce que ça marche avec les deux pour la Cosmos? On peut dire que oui, hein, on va pas trop réfléchir non plus. Mais bon, donc voilà, donc, non, Bamba n'aura pas la Mera Mera Soul. Et c'est là que se ramènent Kanalo et Otto avec une soul que personne n'a jamais vue. Qui est une énième recoloration de la Red Ryu Soul, parce qu'évidemment, elle en avait besoin, hein. Il n'y en avait pas déjà assez de recoloration de la Red Ryu Soul, il en fallait une de plus. Enfin bref, Seto réapparaît et nous dit que cette soul est la Kanae Soul, c'est-à-dire littéralement la soul qui peut exaucer un vœu, ou des vœux, c'est pas clair, mais bon, au moins un vœu. Elle a été faite à partir d'un Kanae Zoryu, donc apparemment c'est un Kishiryu unique, justement, qui était très prisé pour pouvoir réaliser un vœu. Ce qui a conduit à une guerre civile au sein même de la tribu Ryuso, donc il y a très 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 longtemps. Et donc, vu que le Kanae Zoryu est un Kishiryu qui aime la paix, forcément une guerre civile ça ne lui plaît pas. Et par conséquent, il a migré sous l'eau pour pouvoir arrêter ça, donc puisqu'il a disparu, forcément la guerre s'arrête, puisqu'il n'y a plus rien à gagner, puisqu'il s'est barré, il n'y a plus de vœux à faire, il ne pourra plus l'exaucer puisqu'il s'est barré. Et ça, j'aurais bien aimé le voir. Parce qu'en plus, étant donné que c'est Kanalo qui trouve la Kanae Soul, où il l'a trouvée? Sous l'eau? Au palais Ryugu? En faisant une promenade au bord de la mer? Il l'a trouvée où? Pourquoi on nous le montre pas? Ça aurait été plus intéressant que juste de nous la montrer, de nous le dire. Ah tenez, au fait, j'ai trouvé ça au hasard. Montrez-le. Ça pourrait être... C'est super intéressant ce que Seto nous a raconté, là. Se battre pour une Soul qui exauce les vœux. Une guerre civile. Encore? En plus? Je veux voir ça. Au lieu de nous foutre un épisode clip show, montrez-nous ce pan important de l'histoire de la tribu. Bref, donc, en entendant qu'on peut faire un vœu avec cette soul, Kanalo s'empresse de la prendre pour pouvoir faire le vœu d'avoir une femme. Je vais rester calme. Tout va bien. Heureusement, il est arrêté par les autres qui ont un petit peu de bon sens, Dieu merci. Mais ça ne va pas s'arrêter là, donc... Le vœu à faire, d'un commun accord, hein, ce serait évidemment d'éliminer Druidon. Mais souvenez-vous que le Kanae Zoryu veut la paix, mais en plus, sans se battre. Et c'est là que je comprends plus vraiment l'épisode. Parce que Ko le comprend en entendant la voix de la Kanae Soul, mais pour avoir la paix, il faut se battre contre Druidon, c'est obligatoire. Donc comment on fait? Est-ce que cette Soul peut vraiment exaucer un vœu comme ça?
Je comprends pas très bien le truc, là. On peut faire un vœu, on peut souhaiter la paix, mais il ne faut pas se battre pour obtenir la paix. Sauf qu'on est obligé de se battre contre Druidon. Donc, comment on fait ? Donc là, ça donne lieu à une dispute, encore une fois, entre les membres de la tribu, hein, entre les Ryu Soldiers, et ça ne plaît pas à la Canaille Soul. Voyant que personne n'arrive à se mettre d'accord, Otto va garder la Soul jusqu'à ce justement qu'ils arrivent à se mettre un petit peu d'accord. Et elle va donc partir. Sauf que, avant de partir, elle appelle Melto d'une certaine façon. Elle l'appelle Melto-san. Hein, les suffixes San, Kun, Sama, et tout ça, tout ça. Donc, souvenez-vous de ça, elle l'appelle Melto-san, comme elle l'appelle d'habitude. Sauf qu'il va y avoir un petit truc après, ben voilà. Donc ça, déjà, ça met la puce à l'oreille. Donc Melto va suivre Otto, et il va lui dire, tu n'es pas Otto, tu es un imposteur. Et effectivement, c'était Weisel qui avait pris l'apparence d'Otto. Bon, ceci mène à d'autres questions encore une fois, parce que s'il peut le faire une fois, il peut le faire plusieurs fois. Donc qu'est-ce qui empêcherait Weisel de prendre l'apparence d'un Ryu Soldier à chaque fois, ou d'un proche des Ryu Soldier à chaque fois, pour aller les espionner et les éliminer chez Ui? Rien du tout. Mais bon, il faut quand même tenir 50 épisodes, donc je pense que c'est pour ça que les scénaristes oublient ce petit détail à chaque fois. Bref, donc, Melto confronte Weisel et il récupère la Canaille Soul relativement facilement. Je vous rappelle que Weisel est censé être le méchant principal de la série pour l'instant, hein, enfin, voilà. D'un commun accord, ils décident donc d'aller cacher la Soul quelque part, donc ils envoient la Soul quelque part, pour éviter qu'il y ait d'autres disputes ou d'autres guerres pour un vœu, stupide ou pas, voilà. Donc merci Canaille Soul surpuissante qui peut exaucer un vœu, tu n'as pas été utile du tout, donc est-ce qu'on la reverra? Peut-être, j'espère. On verra, est-ce que ça va être un Deus Ex Machina, est-ce que ça va être autre chose, est-ce qu'elle va se transformer en autre chose? On sait pas. Donc oui, comment Melto a fait pour savoir que Otto n'était pas Otto? Donc, comme je vous l'ai dit, elle l'appelait Melto-san. Sauf que, depuis quelques jours, Otto n'était plus censé appeler Melto Melto-san, mais Melto-kun. Et pourquoi? Parce qu'ils sortent ensemble. Alors oui, Otto a 123 ans, et Melto a 200 et quelques années aussi. Ça ne devrait pas être bizarre, mais... c'est un petit peu malaisant, parce qu'elle est jeune, Otto. Ouais, d'accord. Ok, ben, approfondissez-nous cette relation. Donc voilà, mis à part cette Canaille Soul qui nous a été présentée là et qui n'a servi absolument à rien et qui servira peut-être ou pas dans le futur, je sais pas, bah, épisode clip show, donc ma foi, voilà. Heureusement, ils ont réussi quand même à mettre un sacré truc de scénario dans un épisode clip show. Bon, c'était un peu chiant, mais bon, voilà. Allez, ça met en place quelque chose pour la suite, probablement. Épisode 24, le dojo de karaté de l'amour. Ah, j'ai un mauvais pressentiment. Au détour d'un festival digne de Shinkenger, Kanalo sauve une demoiselle en détresse qui s'appelle Mao, et elle tombe apparemment sous son charme grâce à ses fabuleux mouvements de karaté et qu'il a fait pour la sauver. Voilà. Donc, Kanalo est aux anges qu'une femme s'intéresse à lui, hein, et non pas l'inverse, et il se voit donc déjà marié, tout ça, super, pitié faites que oui. Ouais, sérieux, pitié, faites que oui, faites que ça marche, comme ça on n'en parle plus, c'est bon, il a une femme, on peut se concentrer sur autre chose. Pitié. Spoiler, ça n'arrivera pas. Ils commencent donc à se fréquenter, mais ils sont surveillés par Otto et les autres, parce que Otto a un mauvais pressentiment, parce qu'il se passe toujours quelque chose, hein, même si la relation elle commence bien, il se passe toujours quelque chose. C'est pour ça que Otto surveille un petit peu les fréquentations amoureuses de son frère. Un peu creepy. On fait donc la connaissance du papa de Mao, qui tient un dojo de karaté et qui doit le vaincre pour épouser sa fille. Alors c'est pas dit. Ça, c'est le délire de Kanalo. Vous comprendrez un petit peu plus tard le truc du délire. Mais donc, Kanalo accepte, il va essayer de vaincre papa pour avoir le dojo et la fille.
Malheureusement, Mao a donné naissance à un Minosaur, il faut donc aller s'en occuper. Et donc, Kanalo en fait une affaire personnelle. Étant donné qu'il croit que ça va être sa future femme, c'est lui qui doit absolument le vaincre, voilà, pour passer pour le prince sauveur. Voilà. Sauf que malheureusement, mon petit Kanalo, tu vas te faire avoir par de la chantilly. Littéralement. Ouais. Parce que le monstre, il crée une barrière de chantilly. Qu'est-ce que ça a à voir avec le karaté? Je vous le demande. Eh ben ça, c'est un indice pour plus tard, encore une fois. Donc, étant donné qu'il en refait encore une affaire personnelle, Kanalo essaye de s'entraîner avec les autres pour briser cette barrière. Et, enfin, pas la briser, mais passer outre la barrière et les attaques pour pouvoir vaincre le Minosaur. Échec après échec, il voit dans la rivière un petit poisson qui fait un petit plouf-plouf, et il s'est dit, c'est ça la solution. Ah ouais. Il copie donc le mouvement du poissonou et il arrive à passer outre les attaques des autres pendant l'entraînement. Et donc a priori, voilà, la stratégie, elle devrait marcher. Pendant que les autres s'occupent des soldats, Kanalo va confronter le Minosaur tout seul. Et effectivement, il arrive à passer outre les attaques et à vaincre le Minosaur. Et là, moi, je réitère ce que j'ai dit la première fois pour l'épisode 14. Ryusogold est cool. Il est super sympa, Ryusogold. C'est Kanalo qui pose problème. Et je le répète encore une fois, parce que rien que même au début, qu'on le voit se battre en essayant de faire des trucs de karaté et tout contre le Minosaur, c'est cool, ce sont des scènes cool. Donc, c'est frustrant d'avoir un personnage comme Kanalo qui soit aussi cool transformé, quand même. Le Minosaur devient géant, donc Kanalo invoque Kishiru Neptune Cosmoraptor, parce que peu de temps avant, Ko lui avait confié la Cosmosol, hein, veut dire au cas où, tiens, tu pourras l'achever avec ça si tu veux. Donc effectivement, Kishiru Neptune Cosmoraptor et Ryusogold avec l'armure hein, de Cosmoraptor qui est sublime. Là encore une fois, je le répète, je fais que ça, j'ai l'impression de me répéter, Ryusogold avec l'armure, rien à dire, sublime. Et donc oui, Kishiru Neptune Cosmoraptor arrive à vaincre très facilement, hein. Là pour le coup ça dure que quelques secondes, le Minosaur, hein, la barrière de Chantilly, rien à foutre, vas-y on y va, y a aucun problème. Kanalo arrive donc à vaincre le papa de Mao, et il gagne donc le droit de diriger le dojo à la place de Mao, qui va s'envoler pour Paris à prendre le métier de pâtissier avec son petit ami. Pardon ? Parce que oui, souvenez-vous, pendant que Kanalo faisait ses petits plans sur la comète et qu'il délirait en se voyant au bras de sa future mariée en costume blanc et tout ça, eh ben en fait, il a pas du tout écouté ce qu'elle était en train de lui dire. Et que en fait, il fallait désigner un successeur pour s'occuper du dojo. Voilà. Parce que la fille, avec son petit copain, allait aller à Paris pour apprendre le métier de pâtissier, sauf que papa, il voulait pas, parce qu'il trouve ça que c'est un rêve complètement stupide de devenir pâtissier, plutôt que de reprendre la tradition familiale du dojo de karaté. Et donc, il ne la laisserait partir que si elle arrivait à le vaincre. Sauf que... non. Et donc, il fallait trouver quelqu'un pour vaincre papa, pour qu'elle puisse partir à Paris. Et donc, c'était Kanalo. Et vu qu'il délirait, il a pas compris ça. Voilà. C'est donc un épisode inutile. Je vais donc ringer. Deux, c'est bon. Ah. Bon. Voilà, un épisode... Allez, je vais quand même dire un peu sympathique, mais franchement, je me suis un petit peu ennuyé. Hein. Genre, rien que toute la séance entraînement, ça dure 2-3 minutes, peut-être 4 minutes de tout l'épisode. Voilà, quoi. Et au final, c'est encore son délire à la con qu'il a pas écouté ce que lui a dit la fille. Mais, je vais dire Kanalo, quoi. Kanalo. Alors l'épisode est sauvé grâce à Ryusogold, hein, quand il est transformé, les scènes de combat karaté sympa, l'armure très jolie, mais sinon voilà, on continue dans la lancée Kanalo, il n'y a pas d'évolution de personnage. Voilà. C'est bien beau de le voir défendre les femmes, hein, de se battre pour les femmes, mais il n'y a pas d'évolution de personnage. Il n'a pas évolué. Donc bon, on enchaîne deux épisodes relativement bof, mais avec des petits soubresauts très sympas. Et c'est tout, voilà, donc là on est dans une période un peu filler, un peu on sait pas trop quoi faire, donc on remplit un petit peu.
Même si vous avez Gaisolg quelque part, vous auriez pu en faire quelque chose depuis le temps, mais non, en faisant des épisodes filler. Donc voilà, donc ressenti relativement moyen, épisode bof, mais avec de très bonnes piques de temps en temps. Donc voilà, pour moi, ces deux-là, ça restera relativement moyen. Donc voilà, ben on verra ce que va nous réserver la semaine prochaine, l'épisode 25. Hein, donc là, on est à la moitié de la série, hein, donc je ne sais pas combien d'épisodes fera la série, entre 48 et 50 probablement. Hein, donc là, 23, 24, 25, c'est la moitié. Bon. J'aime, mais Canalo est un gros point faible. Voilà. C'est pour l'instant, pour moi, ça reste moyen. Je parle pas forcément de la série en général, hein, de l'épisode 1 et l'épisode 24, mais voilà. Moyen, allez, moyen, voilà, donc j'espère que la semaine prochaine ça relèvera le niveau, et donc je vous dis à plus tard, ciao.